It can be called the Pentecostal Church, Presbyterian Church. Elle peut s'appeler l'Église des tonnerres. It can be called the Thunder Assemblies. Amen. Amen. Rigide dans ses voies. They are so rigid. Frères, they are not flexible. Les sept tonnerres sont révélés. Brothers, seven thunders are revealed. Les sept tonnerres sont révélés. Where are they? Where all they are revealed? What are the thunders saying? Ils ne savent pas ce qu'ils disent. They don't even know what they say or what they mean. Amen. Amen. Quelle soit unité l'église? Whether in such a church. C'est une vieille outre. Those are old bottles. Amen. Amen. La vie nouvelle ou le vin nouveau? The new life or the new wine? C'est la parole de Dieu. Which is the word of God? Amen. Amen. Quand il commence à prendre forme? When it starts taking the shape. Quand la parole commence à prendre le corps? When the word starts taking the body. Dieu accomplissant des miracles. God fulfilling Dieu faisant des grandes choses dans son God église. God doing great things in his church. Le vieil pot desséché. Those dry skins. Elles sont si raides. They are so static. So carrées dans ce qu'elles croient. They are so bound in what they believe. Qu'elles ne peuvent pas bouger. That they cannot even move an inch. Elles vont tout simplement éclater. Instead, they will only explode. Amen. Amen. Si vous voulez le dire. Tell them que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Et que cela tombe dans une vieille outre. And such a statement falls in une vieille église sèche. A bottle, a big church which is dried up. Elle explose simplement. It will only explode. Amen. Amen. La vieille peau sèche va éclater et puis va dire. The old dry skin will only explode and say. Je ne crois pas que les miracles existent aujourd'hui. I don't even believe that miracles can take place today. Ça, ce sont des vieilles histoires. No, this belongs in the past. Amen. Mm-hmm. Jésus-Christ a dit. Jesus said que le vin nouveau. That the new wine doit être mis dans de nouvelles must soupes. Be put in the new bottle. Remarquez que la nouvelle peau a de l'huile en elle-même. Notice first that the new bottles have got oil. Et qu'elle est flexible. And they are flexible. Quand le Saint-Esprit descend. When the Holy Spirit comes down. Et dit que le baptême du Saint-Esprit. And say that the baptism of the Holy Spirit. Lequel est descendu à la Pentecôte. Came down on the day of Pentecost. Elle est même aujourd'hui. Still the same today. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit descend. When the Holy Spirit comes down. Et qu'il dit. And says que la guérison divine, that divine healing, est la même qu'elle a toujours été. It's the same as it used to be. La bouteille elle va dire, the bottle will say, amen. Amen. Non, ces choses-là, c'est pas vrai. No, those things. Nous ne croyons pas ça. Nous avons, vous we savez, don't believe in that. Nous sommes catholiques. As we are Catholics. Voilà la réponse. That's the answer. Vous savez, il n'y a pas trois dieux. Oh, there are no three gods. Nous sommes catholiques. As we are Catholics. Pour nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. To us, it's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mais comprenez qu'il est Père. Non. Can you understand that the Father? No, as we are Catholics. Vous comprenez? You see. Amen. Voilà comment la vie outre réagit. That's how the old bottle always reacts. Au jour de la Pentecôte. On the day of Pentecost. Ils étaient 120. They were 120. 120 nouvelles peaux dans la chambre haute. There were 120 new bottles in the upper room. Et remarquez que le vieil pot. Notice that the old bottles. Elles étaient restées dehors. And old skins, they remained outside. Le pot. The new skins. Elles étaient dans la chambre haute. And they were in the upper room. Attendant un événement. Waiting for an event. Au courant de ce qui va arriver. Waiting for what was going to happen. Alors que les vieilles outres. Then the old bottles. Vaquaient à leur activité. They were busy in their business. Amen. Amen. Mais les nouvelles outres, by the new bottles, les 120, the 120, ils étaient là, they were there, dans la prière, in prayer. Les Seigneurs, the Lord said, ne quittez pas Jérusalem, don't leave Jerusalem, restez dans la chambre haute, in the upper room, attendez, waiting. Amen. Amen. Voilà la position, that's the position, des nouvelles outres, of the new bottles. Maintenant, quand Dieu vient du ciel, when God came down, et qu'il remplit les nouvelles pots, and filled the new bottles, qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Ils ont eu une nouvelle vie. They had a new life. Et ils ont commencé à s'étendre. And they started now expanding. Ils ont commencé à renouer. And they started expanding. Jusqu'à ce que tout Jérusalem, until the whole of Jerusalem, soit rempli d'étonnement. Was so filled with astonishment. Amen. Amen. Ils se sont tellement remplis, they were so filled, que tout Jérusalem est accouru. That the whole of Jerusalem, les réactions étaient violentes. Reactions were so violent.
Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont couru. Quand ils sont arrivés là-bas, amen. Ils les ont trouvés en train de parler en langue. Ils les ont trouvés manifestant la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui étaient venus de Zimbabwe là-bas, ils les ont entendus parler en Shona. Mais comment est-ce qu'ils parlent le Shona? Comment est-ce qu'ils parlent le Shona? Mais est-ce qu'ils ne sont pas tous de Jérusalem? Jérusalem? Ceux qui étaient venus de Douala. Those who came from Douala, ils ont entendu leur langue. They heard their language as well. Ils ont comment cela est-il possible? How possible is this? Les Sénégalais, ils ont entendu les Haoussa. They heard in Haoussa, those from Senegal. Amen. Amen. Les autres ont entendu en Lingala. Samen, Lingala. Les autres en anglais. Samen, English. Il y en a qui ont entendu en français. Samen, French. Mais tous ces gens. But all these people. Mais ce sont des Galiléens. And they all Galileans. Des vulgaires que nous connaissons. D'abord, regarde leur barbe. Ils ne sont même pas rasés. Look at their beard. They are not even shaved. Comment est-ce que nous avons dans notre langue? But how can we hear them in our language? Comme les moqueurs ne manquent pas. As scoffers are always there. Il y en aura toujours. C'est vrai. They will always be there. Alors ils ont commencé à se moquer. They started mocking. Yeah, I saw you. Oh no, they are drunk. They are drunk. Frère, quelqu'un parle dans ta langue, il devient. Somebody speaking in your tongue, he becomes drunk. Amen. Amen. Toi, tu arrives. You arrive. Tu trouves un anglais. You find an English person. Amen. Amen. Aux cheveux blonds avec les yeux verts. With brown hair, with green eyes. Il parle en swahili. He's talking in your language. Un swahili pur. A pure swahili. Et puis tu commences à dire qu'il est ivre. And then you start saying no, you are drunk. Qui est ivre, frère? Now who is drunk? C'est toi, n'est-ce pas? It's you who's drunk. Parce que ça fait pas de sens. Because it doesn't make sense. Mais ils ont dit qu'ils sont ivres. But they said this. Pourquoi? Why? Parce que ce sont des moqueurs. Because they are scoffers. Alors Pierre s'est levé. Peter stood. Amen. Amen. Non, 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 assez. Enough is enough. Non. Écoutez, homme frère. Écoutez maintenant. Ce que vous voyez ici, c'est l'accomplissement de Joël 2. Amen. Ce sont les Écritures. The scriptures. Il a commencé. It started. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ils ont écouté. They heard. Ceux qui étaient debout comme ça, those who were non, d'abord ceux qui avaient l'attitude de mon cœur, first those who were like scoffers standing there, ils sont redressés. They started shaping, taking a shape, started taking the good position. Croisent les bras. They folded in with their arms to listen carefully. Ça c'est sérieux. No, it becomes a little bit serious now. So you mean Jesus? You mean this Jesus? Parce qu'ils étaient là quand on l'avait tué. Because they were there when they. Tout le monde a vécu ça. Everybody was there. Alors on annonçait l'évangile. They were announcing. L'évangile permanent de Dieu. The permanent gospel était annoncé. Was announced. Pierre parle. Peter was speaking. He was speaking. Et la Bible dit. And the Bible says. Après avoir entendu ce discours. After having heard that speech. Ils eurent le cœur vivement touché. Their hearts were so pricked. Amen. Amen. Alors ils se sont posé la question. They asked themselves the question. Frère, brethren, oh frère, dear brethren, que ferons-nous? What shall we do? Que ferons-nous? What shall we do? Nous sommes foutus. We are gone. Qu'est-ce que nous allons faire? What shall we do? Alléluia. Amen. Et la Bible le dit. And the Bible says. Acte chapitre 2. La Bible le dit. The Bible says, verset 38. Verse 38. Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you. À cause du pardon de vos péchés. For the remission of sin. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. And ye shall receive the gift. Car la promesse est pour vous. For the promise is unto vos enfants. To your children, pour tous ceux qui sont au loin, and to all that the Lord, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait, to all that are afar off, even as many as the Lord our God. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, and the Bible says on that day, que 3000 âmes furent ajoutées à l'église. 3000 souls were added to the church. Ça c'est le verset 41. That's verse 41. Il dit. Says, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. The day that gladly received. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. They were added unto them about 3000 souls. Ils étaient de nouvelles outres.
And those were the new bottles. Avec du vin nouveau.